pour obtenir votre camion. Et voilà, on possède notre camion. Par contre, on est un petit peu mal placé, mais on va y arriver. Serveur kitchen. Ah, c'est cool. Bon, bah. Il y aura un petit montage. Ah. Hello? Where are you? You're what? Missing it! Get down here right now! What? Where are you? We're in the tunnel! You have 5 minutes! Get down here right now! Okay. Hurry up! Bonjour mes petits lapins, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment faire le métier de bûcheron sur le serveur cana-rp.fr, le Serious RP. Donc, pour le métier du bûcheron, je vais vous expliquer, je suis arrivé là. Donc en fait j'ai déjà préparé mon petit point de départ. Alors en fait je vais juste vous expliquer. Donc, comme d'habitude, vous allez au Pôle emploi. Donc, je vous fais voir. Le Pôle emploi qui se trouve ici. Vous allez au Pôle emploi. Vous prenez le métier bûcheron. Et ensuite, une fois que vous êtes bûcheron, pour le métier, et tout ce qui est en marron. Vous avez les trois points là. Et ensuite, vous avez les deux points en haut. Alors, je vais vous dire dans l'ordre ce qu'il faut faire. Il faut d'abord aller au point ici. Donc là, c'est pour se mettre en service. Donc du coup, après, vous allez avoir votre gilet jaune. Ensuite, une fois que vous avez votre gilet, vous allez au garage pour pouvoir prendre votre camion. Ensuite, une fois que vous avez votre camion, il va falloir monter au nord du pays, à la coupe du bois. Ensuite, une fois que vous avez été à votre coupe du bois, vous allez à la scierie. Et à la scierie, vous retournez au centre-ville pour aller à la vente du bois. Alors, je vous dis, faites bien attention, l'entrée ici se fait par le Atastri. Je ne sais pas si c'est Alta ou Atastri. Donc l'entrée se fait ici. Le GPS, il va vous indiquer par rapport au périph' et du coup, ça n'ira pas du tout. Donc du coup, il va falloir prendre la prochaine sortie, faire le tour, redescendre là, au South Arsenal Street, et ensuite tourner à gauche dans la grande usine. Vous allez voir l'entrée, je vais vous montrer ça. Hop. Là, on va faire le métier un petit peu de nuit. Là, la nuit commence à tomber. Hop, voilà. Donc là, vous arrivez ici, en fait. Donc, il faudra pas hésiter à rentrer ensuite dans l'usine. Enfin, l'usine. Dans le parc, plutôt. Donc comme toujours, dans la description de la vidéo, vous trouvez le nom du serveur, le lien du forum, le cana-rp.fr, serveur qui appartient à monsieur Pat. Le lien est dans la vidéo, dans la description de la vidéo. C'est notre streamer belge. Donc voilà, donc vous arrivez au point. Vous allez vous mettre en service, enfiler votre tenue, tac. Et là, début de service, vous êtes prêt à détruire la nature. Ouais. Donc comme toujours, j'ai mon petit bug de texture qui est tout à fait normal. Ensuite, vous allez chercher votre camion. Hop, pour obtenir votre camion. Et voilà, on possède notre camion. Par contre, on est un petit peu mal placé, mais on va y arriver. Ah, serveur kitchen. Ça, c'est cool. Bon, bah. Il y aura un petit montage. Ah. Donc, suite à la coupure du reboot du serveur, on va reprendre de là.
Pas bien grave. Hop, donc on va te mettre en service. Voilà. Vous êtes prêt à détruire la nature. Ensuite, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va se mettre là. On prend notre véhicule. C'est dommage que le véhicule soit pas trop bien placé. On va y arriver. Allez. C'est parti. Alors, donc là, on prend. Alors, comme j'ai déjà expliqué, ce qui est bien, il y a un nouveau drapeau là. Ce qui est bien, c'est que pour chaque métier, il y a une couleur spécifique. Donc là, pour le métier bûcheron, c'est représenté par la couleur marron. Donc les deux là, avec le 3 là pour la revente. La coupe du bois et la scierie. Voilà, donc là on va aller à la coupe du bois. Donc là, il y a pas mal de routes à faire. Donc là, ensuite, en fait, ce que vous voyez, c'est que après le reboot du serveur, il y a eu des petits trucs. Voilà, comme je vous ai déjà dit, le serveur est en développement, donc de nouvelles choses arrivent au fur et à mesure. Donc c'est pour ça que de temps en temps, il y a des reboots. La seule petite remarque, c'est qu'ils pourraient nous prévenir dans le chat du jeu, que je fais pas forcément attention au Discord. Mais bon. On va pas les engueuler. Allez. Alors je respecte pas forcément le code de la route pour les tutos, mais je fais attention aux autres voitures. C'est parti. Donc je vous dis à tout à l'heure, on se retrouve à la coupe du bois tout de suite. Voilà, après quelques litres de gasoil, quelques kilomètres et quelques poteaux de signalisation, pardon, on arrive à la découpe du bois. Donc on va aller se placer comme ceci. Faire un petit peu genre. Et là, nous récoltons des morceaux de bois. Donc comme toujours, tout dépend de votre inventaire, le nombre de places qui vous reste. On va en profiter pour boire un petit coup, consommer Coca-Cola, consommer. Ensuite, on va manger un bout, consommer. Voilà, il n'est pas trop mal. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre un petit peu. Donc la route est quand même assez longue, mais bon, c'est comme ça. Et donc là, une fois qu'on aura fini de charger, on va aller à la scierie. Donc on va ressortir et puis on va faire la petite boucle là. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ça, on pourra redescendre jusqu'ici. Donc là, pour ce métier là, il y a pas mal de routes à faire quand même. Hein. Alors je sais pas, pour le moment je ne sais pas du tout le prix de la revente. Alors pour le vin c'est 40 euros par unité.
Donc là, on va voir combien ça fait pour le bois. Donc là, il nous reste encore inventaire. On a bientôt fini. Alors surtout, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous avez besoin d'un petit coup de main, ou une info, ou tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Voilà, allez. On va aller à la scierie. Donc bien entendu, pensez à bien à descendre de votre véhicule. Si vous restez dans votre véhicule, ça ne marchera pas. Oh, les petits lapins. Les petits lapins. Là, il y a un cerf. Là, il y a je sais pas quoi. Alors, je crois qu'il faut aller, faut faire le tour par le haut. Donc là, vous voyez que la flèche indique vers le bas, c'est à l'étage inférieur en fait. Voilà, on arrive au même niveau. Hop, et voilà, traitement du morceau de bois. Et puis qu'à attendre. Hein. Ensuite, on va préparer notre route pour aller jusqu'ici. Donc là, il faudra bien penser à faire le plan, parce que Camus, il n'y a pas cette galère dedans. Donc on fera le plan ici, après la base. Donc on refait la route, la même route qu'on a fait, et ensuite on va tourner à ce niveau-là. Tac, 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 tac. Ok. Hop. On en est où? Inventaire. Hop là. Donc là, vous voyez en temps réel votre inventaire qui change. Allez, on est bientôt reparti. Voilà. On retourne récupérer notre camion. Donc on l'aura pas trop fait de nuit en fait, on l'aura fait plutôt en soirée, pas mal. Par contre là, on va... Ouais, après vous pouvez passer là aussi. Mais vous pouvez très bien vous garer là et puis rentrer par ici. Je viens de voir qu'il y avait un passage là. Montez là. Voilà, c'est plus court. Au lieu de faire toute la trappe, vous pouvez très bien monter ici. Allez.
Et donc, je vous dis à tout à l'heure et bonne route à vous. J'ai pas fait exprès. Oups. Voilà, donc là on arrive à notre point de vente. On va aller se placer à peu près au niveau du dollar. Comme ça. Là en fait c'est pour le chantier centre-ville. Et paf, vente en cours de planche. Et ça vaut 55 dollars. Donc là vous voyez qu'on gagne 15 dollars de plus par rapport au métier de vigneron. Enfin du viticulteur plutôt. Donc oui, bah, par rapport au tout le trajet qu'il y a à faire, ouais, ça paye un peu plus. Ouais. Donc là, ce métier-là, il est quand même assez long. Si vous aimez vraiment rouler tout le temps dans le jeu, bah voilà, c'est. Donc je répète. D'autant que ça se vend. Donc là, vous allez ici pour vous mettre en service. Ensuite, vous allez ici. Pour récupérer votre camion une fois que vous êtes mis en service, que si vous vous mettez pas en service vous n'aurez pas le point pour récupérer le camion. Ensuite vous montez dans le nord à la coupe du bois, ensuite à la scierie, et ensuite vous redescendez au chantier principal de la ville pour la vente. Voilà, donc là je sais pas où est-ce que ça en est. Vente de planches, donc là ouais c'est 55 dollars par unité. Donc une fois que j'aurai fini de vendre, bah, je vais aller retourner en bas pour me mettre en fin de service, relaisser le camion et ensuite aller me coucher parce que je suis très fatigué. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que ça vous aide. N'hésitez pas à laisser des commentaires positifs ou négatifs, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un petit pouce vers le haut. Et moi, je vous dis à très très bientôt sur le serveur cana-rp.fr. À bientôt, ciao 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 ciao.